Keïta Alpha, comme à l'accoutumée, se rend dans son atelier de couture. C'est le premier jour du jeûne Ramadan. Il nous raconte comment il le vit. Le premier jour de carême, vraiment, on sent pas trop le chaleur. Bon, le premier jour, ça va. Comme c'est le premier jour, on ne peut pas trop parler, ça va d'abord. C'est pas facile, mais on fait avec le pied qu'on a. Nous avons également rencontré Ibrahim. Il nous partage le vécu de ce premier jour. Nous sommes réveillés à 4 heures parce qu'on nous a dit que la lune a été retrouvée sur Amman et à Vavoua. Donc, hier nuit, nous sommes préparés. Puisqu'on s'entendait directement au 23, à la date du 23, comme en début du carême. Moi, en tant qu'un leader, même d'abord, j'ai fait disons, les ruptures collectives au sein de mon quartier, souvent avec l'aide de certains partenaires disons, des ONG qui viennent envers nous et on essaie de faire des ruptures collectives. Des spécialités culinaires retrouvent leur place pour ce mois spécial du Ramadan. Des commerçantes comme Mariam savent en profiter pour gagner de l'argent. C'est quoi le carême, on voit tamarou là. On prend ça, on coupe carême. Ça marche un peu parce que c'est joli et c'est commencé seulement. Selon la tradition, le premier jour du mois de Ramadan se détermine par l'apparition du croissant lunaire le 29e jour au soir du mois de Chaban.